les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artifact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous faisons la revue du sabre laser d'Obi-Wan Kenobi, tel que nous avons pu le voir dans l'épisode 1, La menace fantôme. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Ceux qui me suivent depuis le tout début de la chaîne se souviennent peut-être que ce sabre a fait l'objet de ma toute première revue. Toutefois, à l'époque, je ne possédais pas toute l'expérience et les ressources que j'ai acquises jusqu'à présent. Ainsi, à l'approche de la série Obi-Wan Kenobi, j'ai décidé de revisiter ce sabre et d'en faire une revue, édition spéciale, un peu comme George Lucas l'avait fait avec la trilogie originale au cours des années 90. Le sabre laser d'Obi-Wan Kenobi fait partie des 12 sabres originaux à avoir été mis en vente dès l'ouverture des deux parcs Galaxy's Edge. Malheureusement, depuis quelques mois, il n'est plus disponible et on ignore s'il sera vendu à nouveau un jour. Il se vendait au coût de 150 crédits, et à cela, vous deviez ajouter une lame de 36 pouces vendue 50 crédits. Ainsi, l'ensemble vous revenait à 200 crédits, soit environ 255 $ canadiens ou 185 €. Comme pour tous les sabres Legacy, vous pouviez le trouver au Den of Antiquities de mon bon ami Dakondar. Sans plus tarder, procédons à la revue. Tout d'abord, regardons le boîtier d'un peu plus près. Comme vous pouvez le constater, il s'agit du plus petit format de boîtier. Au centre, on y retrouve le logo de l'Ordre Jedi. L'arrière-plan bleu nous indique que la couleur de la lame sera bleue. Une fois le boîtier ouvert, on peut y voir le sabre sur un tissu satiné comme nous l'avons vu pour tous les sabres Legacy originaux. Si l'on regarde le sabre d'un peu plus près, on constate que le look nous rappelle celui de Qui-Gon Jinn. Ceci est normal puisque les Padawan construisaient souvent leur sabre à l'image de celui de leur maître en guise de respect. L'apparence classique du sabre laser représente très bien l'époque de la République. Il est principalement fait d'aluminium et de plastique. Au niveau de l'émetteur, on y retrouve quelques détails. Si on se fie au dictionnaire visuel de l'épisode 1, la bordure argentée au tout début de cette portion est le générateur de lame. Pour sa part, la portion lignée noire sert de circuiterie de modulation de la lame. Le bouton argenté, lui, sert de réglage de longueur et d'intensité de la lame. Le bouton rouge aurait dû être le bouton d'activation, mais, malheureusement, celui-ci est décoratif. La lumière rouge, de l'autre côté, est aussi purement décorative. C'est sur la portion centrale que l'on retrouve le bouton d'activation. Il s'agit du petit bouton noir dissimulé dans la poigne. Cette portion est faite de plastique noir avec des fentes qui laissent entrevoir l'aluminium entre chacune d'entre elles. Toujours selon le dictionnaire visuel, une cellule d'énergie interne se situe à cet endroit. La portion argentée située entre l'émetteur et la poignée servirait de chambre pour le cristal Kyber. De l'autre côté, on y retrouve un anneau CoverTech afin de le fixer à la ceinture. Le pommeau est sans doute la partie du sabre que je préfère le moins. Pour une raison que j'ignore, cette portion m'a toujours fait penser à une poignée de robinet. Elle sert cependant de logement de cellules d'énergie de secours. C'est également cette portion qu'il faut dévisser afin d'accéder au compartiment pour les piles.
Le sabre requiert 3 piles triple A. Le manche du sabre mesure 29 cm. Une fois la lame de 91 cm connectée, on obtient une longueur totale de 120 cm. Une fois le sabre allumé, on entend les sons propres du sabre. Lorsqu'il entre en contact avec quelque chose, la lame émet un flash jaune. Le sabre laser d'Obi-Wan est un des premiers sabres laser Legacy que je me suis procuré. En le manipulant à nouveau, j'ai constaté à quel point les sabres laser Legacy ont tout de même évolué en seulement quelques années. Leur qualité et leur robustesse se sont grandement améliorées et les lames répondent beaucoup plus rapidement sur les nouveaux modèles. Ma seule déception au niveau de ce sabre est que l'activation ne se fasse pas avec le bouton rouge. J'espérais vraiment que le 4 mai, ou May the 4th, on nous annonce l'arrivée du sabre d'Obi-Wan de l'épisode 3. À mon avis, Disney aurait dû se servir de l'engouement pour la série et faire une annonce. Voilà donc une opportunité de rater. Et vous, que pensez-vous de ce sabre? Se retrouve-t-il parmi vos sabres préférés? Dites-le-moi dans les commentaires au bas des vidéos. Si vous avez apprécié cette revue, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous. À tout jamais. Remember, the force will be with you. Always.